What we learn from the history of the slave trade and of slavery is the extent to which globalization reigned centuries ago, and the ways in which our destinies are linked. Donc voilà. On a voulu raconter l'histoire de la ville de Nantes, évidemment. Il a fallu raconter l'histoire de la traite, parce que Nantes est le premier port négrier de France au XVIIIe siècle et au XIXe siècle. À ce moment-là, il y a eu des débats, des discussions pour savoir comment présenter cette histoire. Ce que nous avons décidé, nous, à l'époque, quand on a fait le musée, c'est de ne pas séparer cette histoire de l'histoire de la ville, mais de l'inclure. Et de ne pas séparer l'histoire de la traite du reste de l'histoire. L'histoire, elle s'écrit par des gens qui sont vivants et qui vivent à un moment, eux aussi. Donc évidemment, il y a une sélection dans le passé pour comprendre le présent. Généralement, c'est quand même pas généralement des sélections gratuites au sens large du terme, pour comprendre le présent, pour comprendre les difficultés du présent. On regarde l'histoire. I learned through the museum that the city of Nantes is really interested in creating this rich historical memory so that people who see the products of slavery and the slave trade, and we got to see the horrendous ways in which Africans were transported on ships that were made and originated from Nantes. Alors, je vais vous montrer maintenant deux œuvres vraiment très, enfin deux objets très importants. Comme les tableaux tout à l'heure, hein, une aquarelle qui est ici, et une autre aquarelle qui est de l'autre côté là-bas, qu'on va aller regarder ensemble. Ce sont en fait des archives. Vous savez que le commerce de la traite, hein, est un commerce qui ne se représente pas. On n'a pas de peinture de scènes de traite au XVIIIe siècle. Parce que comme c'est un commerce comme un autre, il n'y a pas d'artistes qui vont représenter cela. Il va y avoir ensuite les abolitionnistes, au fin XVIIIe et au XIXe, mais voilà. Là, ici, on est devant un document exceptionnel que Bertrand a acheté juste avant l'ouverture du musée. C'est un compte de vente, un tableau de vente d'un navire qui s'appelle la Marie Séraphique. Vous savez qu'on s'est beaucoup attaché à l'histoire locale quand on a écrit et conçu ce musée, mais on est aussi aujourd'hui dans un nouveau type d'histoire qui est une histoire globale. Et donc réécrire des parcours de visite pour les visiteurs du musée permanent en incluant cette notion d'histoire globale dans l'histoire locale, ça fait partie du développement scientifique. Donc le développement scientifique, c'est l'enrichissement historique en fait de ce que l'on propose au public. Plutôt que de lui montrer uniquement un objet, être capable de lui raconter l'histoire de cet objet, son histoire locale, nationale, internationale et globale, et inclure cet objet dans une histoire qui n'est pas une histoire séparée, séquencée. On va aller voir les tableaux tout de suite. Donc il s'agit de deux personnes qui appartiennent à la famille d'Heurbroek, qui est une famille originaire des Flandres. Hein. Donc ici, Dominique d'Heurbroek, et là sa femme, Marguerite Sengstack. Ce qui est très intéressant pour nous, c'est d'avoir en fait la représentation à chaque fois du maître et de son esclave dans le contexte du XVIIIe siècle. Donc ce sont des tableaux qui en fait pour le public aujourd'hui sont difficiles, mais à l'époque c'était des tableaux manifestes. Donc ici on a donc Marguerite Sengstack qui est assise comme vous le voyez. Donc elle a une robe à double panier, ce qui permet aussi de dater hein, parfaitement les tableaux. Elle a une robe à double panier, elle a une robe en soie, de la soie lyonnaise vraisemblablement, de la dentelle fine, donc tout ceci montre sa richesse. Donc la femme apporte sur un plateau, elle apporte du sucre, le sucre évidemment, donc là voilà, la grande richesse des Antilles, dans un petit bol en porcelaine, et la Marguerite Sengstack, elle tient sans doute du café, hein, sans doute du café. Alors elle a une petite cuillère qui est recouverte en or, donc vous voyez, tout ceci montre sa richesse. Le système esclavagiste est un système, encore une fois, global. Même s'il est localisé, même si certains pays en sont acteurs plus que d'autres, c'est un système global, et donc on ne peut pas le simplifier. So the experience at the museum
informed me that this city is really interested in its citizens understanding the background and the genealogy of all that they're able to benefit from, the beautiful architecture here, much of which has its origins during the era of the slave trade, and the material products of that reliance on slavery. Oftentimes, we only want to see the beauty. We only want to see the positive. But just as the memorial is created underground, one gets the sense that this city is really interested in people moving beyond the surface and looking underneath and discovering, you know, what the history of this city really means. Ça a été très difficile pour beaucoup de pays d'assumer le rôle qu'ils avaient pu jouer dans des événements aussi importants et dramatiques que la traite ou le système esclavagiste et colonial. Il y a eu des moments où, contrairement à ce que l'on pense au XXe siècle, on en a été très fiers. Au tout début du XXe siècle, il y a une nostalgie du grand XVIIIe, parce que le XVIIIe siècle, c'est l'âge d'or de Nantes, d'un point de vue économique et commercial. Et au début du XXe siècle, lorsque les frères Amieux, Louis et Maurice Amieux, constituent la collection qui va ensuite devenir le musée des Salorges, c'est une collection industrielle, mais c'est aussi une collection commerciale, et on y parle beaucoup du XVIIIe siècle. Et ce grand XVIIIe siècle, de nombreux Nantais en ont été longtemps nostalgiques. Alors, ça ne veut pas dire qu'ils étaient nostalgiques de la traite, bien entendu, mais le fait que la traite soit un élément du XVIIIe siècle ne leur faisait pas renoncer à cette idée qu'ils avaient du XVIIIe siècle. Et ici, lorsque les collections ont été présentées au musée du château en 1960, ici, les collections de la traite sont présentées. Il y a des entraves, il y a des objets qui témoignent de la traite. Et dans notre collection à nous, il y a des objets qui ont été acquis à ce moment-là. Ça veut bien dire que ce n'est pas un déni partagé par tous. Ce qui va être très compliqué pour une ville comme la ville de Nantes, ça va être de l'assumer politiquement. Et c'est là qu'il va y avoir des dénis et des oppositions par certaines municipalités, notamment en 1985, la municipalité en place va s'opposer à la réalisation d'une grande exposition sur ce thème, ce que Jean-Marc Ayrault, justement, lui fera le contraire, hein, ce qu'il va dénoncer. Et en 1989, lorsqu'il va être élu pour la première fois à la tête de la ville de Nantes, il va tout de suite dire que, en effet, cette reconnaissance de ce passé est quelque chose de très important. Et c'est ainsi que va se mettre en place l'exposition sur les anneaux de la mémoire. Donc, je ne sais pas si c'est tant une histoire sélective, je pense qu'il y a aussi des volontés politiques, une manière d'assumer politiquement et donc collectivement cette histoire. Ce que nous enseigne l'abolition de l'esclavage colonial, c'est que ça a été un très très long et très difficile combat. C'est-à-dire qu'à un moment donné, l'esclavage était aussi naturel que le jour et la nuit pour des tas de sociétés. Et il y a des gens qui s'opposent à l'esclavage dès le départ, mais leur voix ne sera entendue qu'au XIXe siècle, enfin, la possibilité de penser l'esclavage. Donc, un enseignement, c'est que c'est long et difficile,
Parce que finalement, c'est lié à de très grands intérêts économiques, à l'émergence du capitalisme, l'émergence de villes. C'est lié aussi à la consommation, c'est-à-dire que les gens s'habituent à la consommation du sucre, du café, du tabac, et ne veulent pas très bien savoir d'où ça vient et comment ça arrive sur leur table. C'est lié aussi à cette construction idéologique dont on parlait, c'est-à-dire le noir, ben finalement, c'est normal qu'il soit esclave. Donc, toute une sorte de choses. Pour lutter contre ça, il va falloir déconstruire le discours, déconstruire la loi, déconstruire le système. C'est pour ça que ça va se situer sur des tas de niveaux juridiques, philosophiques, politiques, au sens de se battre pour la liberté, des insurrections et la grande révolution haïtienne qui va être en fait la très grande révolution du XVIIIe siècle. Interestingly enough, the tide of immigration reflects precisely the same roots that the slave trade took. And it seems to me that the best way to address the sediments of slavery, the vestiges of slavery, would be to look at the contemporary manifestations of that historical trajectory and attempt to find justice there. And the very presence in Nantes of refugees who are seeking asylum, who are here because they believe that this city can offer them a better life. So I think that history should be usable history. It should not be abstract history. It should be history in the sense that we learn what histories we are currently inhabiting and how we use those histories to develop a sense of a trajectory toward a better future.